Voilà, je suis au groupe Amplitude à Mont, et voici donc le ZS Noir qui sort très très bien. Comme vous pouvez le voir en vidéo, tac. Alors, je vais prendre un peu de recul. Voilà, en noir, donc en version luxury. Et il sort très bien. Bon, bah, le tableau de bord, vous commencez à le connaître. Voilà, donc la version à toute option luxury avec le toit ouvrant panoramique. Et en noir, il sort très bien. Là à côté, vous avez le bleu, bah, la même couleur que celui que j'avais en essai. Et puis ici en noir, il est. Je trouve que ça le fait légèrement différent. Donc pour les infos, on va les avoir ici. Donc je ne sais pas si vous arrivez bien à lire. Donc le ZS EV Luxury, qui est à partir de 29,99. Donc celui-ci, il est à 31 990. Vous avez les caractéristiques complètes, donc jantes 17 pouces, etc., navigation et compagnie. Les équipements supplémentaires. Donc peinture métallisée en Publibac et le câble Wheelbox. Donc 650 et 249 euros. Il n'y a pas d'accessoires. Le bonus écologique qui est à moins 7000 euros si vous arrivez à voir. Et sinon, je vous le mentionne, c'est 7000 euros ce qui vous fait ce modèle. Donc clé en main à 25 889 euros. Voilà, donc ça c'est pour l'information. Après, ici au niveau de l'énergétique. Donc, et bien sûr, il est en A parce qu'il n'y a pas de consommation. Voilà. Le ZF, ZS EV. Ici, il y a le bleu aussi qui est un ZS et le gris là-bas au fond qui est un EHS. Donc, je trouve qu'en noir, en fait, il ressort un peu mieux au niveau des chromes. Ils ressortent beaucoup mieux, même les barres de toit elles ressortent mieux. Voilà, mais ça c'est peut-être une impression de ma part. Voilà, à bientôt.